C'est le voyage au sein de ce vaisseau spatial qui a servi de trame au compositeur Matthias Weber. Je relève l'efficacité des artistes qui nous ont fait déjà visiter l'hyperespace à bord d'un véhicule qui excède la vitesse de la lumière, alors que nos politiciens en sont encore à nous convaincre du bien fondé du projet de liaison par câble entre la gare de Châteauneuf et Nantes. Puisque nous avons été envoyés dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial, nous allons y rester pour le prochain morceau de Rings of Saturn. Cette œuvre lente nous transporte dans l'immensité de l'espace et du temps. Des parties solistes interprétées avec toute la sensibilité qui les caractérise par la cornée principale, la bugle, l'arrêt piano ou encore le glockenspiel nous invitent à la contemplation de Saturne et de ses anneaux. Alors, regardez par le hublot du vaisseau spatial et admirez. Pour ceux qui ne sont pas près du hublot, calez-vous tranquillement sur votre siège et fermez les yeux et laissez-vous transporter en musique par l'immensité et la beauté de notre univers tout en vous rappelant la fragilité de la vie sur Terre. Bonne écoute.
voyage en douceur, nous allons poursuivre avec Rococo Sound de Philippe Harper. Cette pièce, commandée par l'armée suisse quand elle avait encore des liquidités pour la payer, a été composée spécialement pour Mathilde Dereau et Jérémy Coco, vainqueurs du prix musique en 2016 pour Jérémy et 2017 pour Mathilde. Comme on a la robe, il restait à trouver un coco. Dans le background, il y a bien deux trois zigotos plutôt rigolos, mais ils n'ont pas de niveau. C'est finalement avec un cornet solo qui n'est autre que son géniteur que nous allons être entraînés avec cette pièce exigeante dans un dialogue perfide au cornet. Mathilde et Hervé, la scène est à vous. Thank you.
aveugle et lâche, sera le plus meurtrier de Belgique avec un terrible bilan de 35 décès et 340 blessés. Pour retracer ce terrible événement, Bert Haberman, citoyen belge, a composé une œuvre majeure, le Bruxelles Requiem, joué pour la première fois au championnat d'Europe des brass bands en 2017. Plus qu'un simple hommage à toutes les victimes, le Bruxelles Requiem est un voyage émotionnel à travers les sentiments qui ont marqué la ville et ses habitants durant cette période tragique. Le compositeur a intégré comme fil conducteur de ce morceau une berceuse pour enfants que vous allez facilement reconnaître. La pièce se déroule en quatre mouvements enchaînés, chacun explorant un aspect de la tragédie. Le mouvement initial, Innocence, dépeint la vie paisible et la sérénité de Bruxelles avant les attentats. Dans le deuxième mouvement, In Cold Blood, que l'on peut traduire par de sang-froid, l'atmosphère change drastiquement. Le compositeur a su transcrire avec force les émotions de peur et de pagaille qui résultent de la brutalité et de la violence des attentats. Le troisième mouvement, In Memoriam We Shall Rise Again, ou Nous nous relèverons, est un mouvement de recueillement et de souvenir. Écrit sous forme de larmes funèbres, il offre un hommage poignant aux victimes. A New Day, ou Un nouveau jour, dernier mouvement de cette pièce, retranscrit le sentiment de résilience de la population à la suite de ces attentats et s'achève dans un final frénétique. Le dimanche 9 juin 2024, 9h50, à la salle des Martels à Chermignon, la Comtesse interprétera un Bruxelles Requiem comme la pièce à choix dans le cadre de la fête cantonale des musiques. Après les premières places obtenues en première catégorie lors des deux dernières fêtes cantonales, la Comtesse a décidé de tenter le grand saut dans la catégorie Reine Excellence Brass Band. Je vous invite d'ores et déjà à vous rendre en masse à cette fête de la musique et à soutenir la société qui vous est chère. À l'issue de cette pièce, vous aurez droit au très attendu discours présidentiel. Mais je vous laisse tout d'abord apprécier la pièce maîtresse de ce concert, le Bruxelles Requiem. Thank you.
terminer la première partie de ce concert par l'exécution d'une marche traditionnelle Lemsburg de Derek Broadbent. Avant la cérémonie des Broquins d'or, vous bénéficierez d'une pause de 15 minutes pour vous désaltérer et pour vous approvisionner en pop-corn afin de vous imprégner de l'atmosphère de cette cérémonie qui, nous l'espérons, saura vous enchanter. Alors, en avant, marche et à tout à l'heure. Thank you.